Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'aller en voiture de Slurpee Swamp à Catty Corner en moins de 4 minutes sans sortir du véhicule. Alors pour ce faire, je vous conseille d'aller près de la pompe à essence qui est juste à côté de Slurpee Swamp. Bien souvent, il y a une voiture de course qui vous y attend. S'il n'y en a pas, cherchez après un véhicule normal qui conduit normalement et ensuite faites le plein à cette pompe à essence. Quand vous avez fait le plein, dirigez-vous dans Slurpee Swamp et normalement vous tracez jusqu'à Catty Corner sans sortir du véhicule. Quand vous avez fait le plein de votre essence dans le véhicule, vous n'avez pas besoin de sortir du véhicule. En 4 minutes, c'est largement suffisant. En voiture de course, j'ai mis, je crois, 1 minute et 20 secondes, 30 secondes, en suivant la route correctement. Parce que vous savez, la voiture de course, quand elle va dans la terre, enfin dans l'herbe, c'est une catastrophe, elle est incontrôlable et elle fonctionne même pas, elle roule même pas vite. Donc voilà, essayez de bien rouler sur la route, même avec une voiture normale. Et je pense que même avec un pick-up, je pense que vous pouvez le faire. En 4 minutes, je pense que c'est réalisable. Mais là, avec le pick-up, vous pouvez carrément aller dans l'herbe et tout. Parce que, bon, en fait, il tient bien la route, que ce soit sur la route ou dans l'herbe. Donc voilà, c'est un petit avantage. Et je pense que 4 minutes pour faire Slurpee Swamp et Catty Corner en pick-up, je pense que c'est largement suffisant. Bon, après, j'ai pas essayé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas. En tous les cas, voilà qui termine mes petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool, mec. Et ciao. Peace.